Salut à tous, c'est Florian pour l'épisode numéro 2 des courses en Mondi. Alors je vous préviens tout de suite, la qualité n'est pas du tout bonne suite à un mauvais branchement du Dazzle. Et donc je m'en suis aperçu qu'à la fin, parce que sur mon écran, moi je voyais l'écran. C'était normal quoi. Donc on commence cette course aussi avec un petit tour de Mario où vous allez prendre l'avantage vu que le niveau des joueurs n'est pas super super élevé. Je crois que c'est de 5000 et c'est 1000, donc c'est clair que c'est pas élevé. Tranquille, bon, il vient juste de sortir, ça doit sembler le mec, déjà en tout rouge. J'ai 800 points, je compte bien, c'est bon, t'es sûr. Dans les 8000, dans les 9000 tout simplement. On commence bon, tranquillement, 5ème place, on doit être 8. Donc le dernier, peut-être le foot. C'est pas grave si je me prends au contraire, en fait. C'est content de me prendre. J'étais assez content de toi, et en tout cas, un doré, ben, c'est cool. Hein. Je me dis, mince, pourquoi je suis pas fait le cut. Mais c'est pas grave, là, tranquille, là, je remonte et je fais un fusil de verre. Ouais, là c'est mon tour, j'ai bien fait le cut correctement et bon, c'est pas trop grave. Donc ouais, j'essaye de monter un peu, je me dis que le niveau est tellement pas élevé que je peux gagner maximum 30 points, tout comme ça. Bon, à mon avis, on va gagner 200 points. Il faudrait 6 courses, 7-8 courses. Quoi. Donc, je vous raconte pas la suite, mais bon, allez. Donc c'est des courses normales, donc ça veut dire que j'ai eu de la... C'est la réussite quand même pour celle-là, il manque. Enfin, la rouge. Pour l'instant, on va pas dire que j'ai eu de la réussite. Hein. Voilà, un zap. Moi, j'étais avec mon champi, bon bah, c'est pas très... C'est grave, c'est qu'un champi et le joueur a voulu me toucher en zap. Je m'arrête, 5ème place, je peux avoir bien 3 champions, c'est bien. Dernier tour en plus. On commence par, je pense, la pire course que j'ai faite. Non, je sais pas. C'est pour vous dire un peu le niveau. Et donc là, c'était la seule course de cette vidéo où je perds des points. Ouais, moins 39 et du coup, j'ai bien baissé. Allez, Royaume Sorbet, je crois que c'est peut-être moi qui l'avais voté. Non, en ce moment, j'aime bien cette map. Je me débrouille bien, donc ça va. Donc là, vous voyez que le niveau est déjà, la qualité est déjà mieux. Parce que je crois qu'on a réglé le... Franchement... Ah ouais, donc là je compte bien faire du fond 3, c'est super, je me fais pousser. Non, je me prends le mur, là. Je me prends le mur, je me fais pousser là, mais c'est cool. Hop là. Bon, alors, je gagne du temps, je gagne des places régulières dans le virage. Le troisième, je sais plus où est-ce qu'il est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, il a dû faire un virage au dernier moment. Les rouges, ben c'est pas top, hein, parce que moi, je vais m'en prendre une. Et finalement ça va, ça me range pas mal. Parce que le gars qui était juste derrière moi, le joueur qui était juste derrière moi, c'est le prix. Donc j'ai une petite avance sur le troisième. Et là cette course, mais j'ai trouvé mes louches. Enfin j'ai pas compris. Je pense que j'aurais peut-être pu les mettre dans les courses. Non, peut-être pas malchanceuse, mais voilà. Bon. C'est quand même assez dommage. Et le joueur qui est devant, bah, elle est vite, c'est bien, mais dire dans ce genre de course. Je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps en salle fun. J'ai quand même pris 3 bleus. Vous allez voir que le joueur devant, bah, pas se cacher, il va même pas s'en prendre du tout. Et... Déjà qu'il jouait bien, c'est un peu si ça ne prend pas. Voilà quoi. Donc moi, bah, je me dis, pour l'instant là, je sais pas qui va pas se prendre le bleu, mais je me dis, quand est-ce que ça va arriver, il n'y a toujours pas de choc. J'ai pas d'item, c'est jamais bon en Royaume Sorbet de pas avoir d'item. Ah, je vais tout de même prendre le risque et prendre serré. Et je me prends pas ce mur. Mais voilà, je me suis dit, bon, faut pas que je prenne l'item, on va essayer. Et là, c'est. Il y a une rouge. Donc, le jour de l'autre jour, c'est pas pris. Et là, ouais, bug de manette, là, je sais pas, je vais. Pas pour montrer en anti, mais j'ai appuyé 3 fois sur le B pour revenir et ça m'a fait rager comme le pot en plus. Ouais, même s'il n'y avait pas eu le pot, je serais tombé. Là, j'ai essayé de mettre le tour de revenir, mais regardez l'avance qu'il a, il s'est toujours pas pris de mieux.
voir qu'il y a des rouges, je les prends quand même. Pas rouge, voilà. Quatrième position, c'est un désastre. Alors que au premier tour, j'ai une belle avance. Et j'étais juste derrière le premier. Voilà, le premier presque arrivé. Je vois bien, c'est clair, mais c'est pas pris de deux. Ça, c'est la réussite, je trouve. Je loupe les items, ça, c'est une catastrophe. Malgré tout, bah, je vais prendre un item. C'est vraiment hyper important. Bien que j'allais comprendre, mais même si c'est une banane, ça va être facile. Je vais aller avec Yoshi, là, un invité, donc voilà. J'ai bien failli prendre cette banane, et malgré tout, je termine en deuxième position. Vous avez vu, la réussite quand même qu'il avait pour terminer en première position, là. Il restait toute la course devant, il n'a jamais se prendre de bleu, c'était quand même assez chanceux. Bon, le joueur en fait une quiconque, là, on va l'attendre un peu. 255, c'est un très mauvais temps, je suis tombé une fois, je crois, mais c'est pas mal. En plus 21 points, on va se pour montrer. Quel point, c'était pas terrible. Minwario, encore cette nerf, je crois que c'est plusieurs fois que je l'ai fait, franchement. Ah ouais, cette course, quoi. Je crois que c'était la première, non, c'était pas la première de la journée, mais c'était là que c'était la course la pire. Et après, on a bien rectifié. Moi sur ma télé je ne voyais pas, je voyais que c'était bien filmé, donc ouais. Encore ce petit mur que je me prends là, c'est dommage. Même chose devant la Léa qui a pas mal, ouais, mais elle va se faire avoir, mais bon, pas de partie donc ça va se passer, mais... par ce cut là qu'elle a pris. Un tour devant et voilà, j'en chapille et il faut qu'il y ait un pot qui me dérange. Ah, je me prends ce nœud là parce que c'est une mauvaise course. Donc là, j'ai une petite avance. Il faut absolument que je gagne des courses pour aller jusqu'au défilé. Je compte bien prendre une belle avance. Je vous dis, j'étais en forme donc j'ai pris une belle avance. Et pas forcément jouant bien, mais en posant des dépôts, bah, c'est pas mal. Cette balle là, vous allez voir, elle va. J'allais la voir en troisième tour qui va. Quelqu'un qui va se la prendre. Donc là, regardez. Je pose cette banane. Cette banane là. Comment elle va être payante. C'est ça qui va lui faire perdre beaucoup de temps. Et ce fake également que je lui ai posé qui l'a fait tomber. Enfin, je sais pas si ça, elle a peut-être essayé de l'éviter et donc tomber. Et je vous ai dit que ce cut, ça lui avait un TBF mal. Donc regardez l'avance que j'ai, c'est incroyable, je vais avoir 30 secondes d'avance au moins. J'ai une énorme ligne droite. Les joueurs sont encore au... même pas encore au fossoir que moi je suis bien là. Et je me prends ce chariot bêtement. Donc là regardez, ils viennent juste d'arriver au fossoir, c'est incroyable. Là je prends le risque de le faire et je fais pour... juste pour poser ma balade et pour les embêter. Donc c'est fini. C'est super, on va gagner. Une aussi grande avance. Donc ce sera la dernière course de cette vidéo. Donc on va vous dire merci d'avoir regardé hein, jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et j'espère que vous aimerez cette nouvelle série avec cette nouvelle version des courses commentées en différé. C'est-à-dire que je connais déjà le score. Et vous allez voir que la prochaine vidéo se termine aussi par un minorio. Et donc voilà, j'augmente 8800.